c'est ma maman qui m'a éduqué. Au départ, elle était mère au foyer et après le divorce, forcément, elle a dû travailler pour subvenir à nos besoins et c'est vraiment quelque chose qui m'a motivé pour exceller. C'est pour ça que j'ai fait un baccalauréat scientifique, à la suite de quoi j'ai intégré une école d'ingénieurs, le STP Paris. Ma vocation aujourd'hui, c'est de devenir analyste financier dans une grande banque d'investissement. Alors, l'analyste financier intervient dans des transactions de vente ou de cession d'entreprise pour valoriser l'entreprise, c'est-à-dire lui donner un prix. Ici, on est à l'ESSEC, où je réalise ma deuxième année grâce notamment à la fondation de la vocation. J'ai grandi à Garges-lès-Gonesse, c'est une zone ZEP. Je suis un pur produit de l'ascenseur social. Donc Article 1 est une association qui accompagne des jeunes issus de milieux populaires pour lequel je travaille bénévolement en accompagnant deux lycéens dans leur acheminement scolaire et professionnel et leur épanouissement. Pour financer mes études, j'ai dû faire des petits jobs. Enfin, avec la crise sanitaire actuelle, c'est assez compliqué et la fondation de la vocation m'a permis de me soulager de cette charge-là et de complètement oublier cet aspect financier. Pour cela, je pense que la fondation a totalement contribué à ma réussite.